Découvrez les secrets des dunks spectaculaires. Bon, pas les petits dunks, euh, t'as capté. Ça va, une main, deux mains, on a compris. Là, je te parle de dunks genre 360, 720, genre la toupie magnifique Bon, celle-là, elle n'existe pas. Mais le windmill, euh, la capuche, le. Ouais, le rider, enfin, euh, voilà, t'as compris quoi. Et puis aussi la chaise. Enfin, comment faire tout ça Bah ben là, t'es au bon endroit, je te rassure. Déjà, ici, dans cette vidéo, qui dunk Voilà, qui dunk Déjà, on va, on va segmenter tout ça. Est-ce que tu dunk et sur quel panier Enfin, c'est un 2m75, un 3m05, un 3.48 ouais, Je sais pas. Euh, voilà, 3.48, c'est quand même un peu beaucoup. C'est vrai, pas. Pas réfléchi quand je parlais mais... Mais en tout cas dis-moi tout Dis-moi sur quel panier déjà avant qu'on commence mets-moi ça en commentaire Bon tu sais que c'est pas anodin En même temps ça me fait plaisir mais en même temps c'est pas mal pour le référencement Parce que tu vois que là euh, au niveau des vues c'est une galère Donc bon euh, si tu m'aides un peu euh, Tu vois que ce serait plutôt plutôt cool Mais t'es pas obligé Sache le alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis et euh, bah, il y aura quoi dans cette vidéo bah, Pour que tu saches, dans cette vidéo, bah, comme je t'ai dit, je vais t'expliquer un peu parce qu'on voit des vidéos dunks, on voit des choses pour dunker, mais on ne voit pas vraiment comment en faire des spectaculaires. Moi, derrière ça, je suis coach de basket depuis longtemps. Je forme des personnes qui veulent dunker sur internet. Je les coach, je les prends en main et euh, je fais d'eux des gros monstres. Des gros monstres il <laughs> bon, a pas eu de changement de voix, mais en en tout cas, voilà, j'en fais des monstres pour que ça dunk. Peu importe l'âge, que tu aies euh, je sais pas 40 ans, que tu aies 15, 14 ans, des trucs comme ça. Mais t'inquiète, j'ai tout ce qu'il te faut pour que tu claques des gros dunks. Sache-le. Pourquoi tu devrais regarder cette vidéo Et bah les autres aussi d'ailleurs, mais pourquoi cette vidéo est si importante que ça parce que c'est un contenu unique. Où est-ce que tu as été trouvé un autre contenu comme ça qui te parle de dingue spectaculaire Où je vais te montrer et te dire comment faire pour réussir toi aussi à faire des 360, des Windmill et d'autres, et d'autres, et d'autres encore. Quand je dis Windmill, j'ai l'impression que c'est un burger à McDonald's. <laughs> je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est comme la Happy Meal. Enfin bref, c'est un contenu que, nulle part, ailleurs... Nulle part, ailleurs en tout cas tu ne trouveras. Donc euh, vraiment, voilà pourquoi c'est la bonne vidéo qu'il te faut et que tu es au bon endroit. Pour te raconter ma petite histoire. Voilà que tu comprennes un peu pour, pourquoi je fais ce genre de vidéo là. Parce qu'en fait, si tu préfères, moi je dingue. Voilà, j'ai dunké, travaillé ma détente, honnêtement, j'en ai j'ai galéré, voilà pour pas te dire le mot vulgaire et euh, j'ai eu de nombreuses blessures au genou. Mais c'est pas ça qui m'a fait faire vraiment cette vidéo. Si je fais cette vidéo là et devant toi, c'est parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi quand je faisais des concours de dunk ou autres, il y en avait qui étaient plus petits que moi, ils n'avaient pas plus de détente que moi. Mais en tout cas, bah un petit peu, s'ils sont plus petits, ils ont forcément un, un, un cran. Mais c'est même pas ça le truc. C'est que il sautait pas plus haut et je le voyais, mais il te tapait des figures que je n'avais pas vu. Alors oui, je restais, euh, je me dis dans ma tête, oui, bah, lui il est gymnaste. Oui, euh, c'est normal, il a dû faire de la gym. Mais qu'est-ce que je racontais Rien de tout ça. En fait, c'est ça qui m'a perturbé dans ma tête. Je me dis, mais en fait, pourquoi moi, j'y arrive pas Pourquoi, en fait, moi, je suis pas capable de faire un moulin correctement Pourquoi je suis pas capable de faire une chaise Et que oui, je saute haut et je claque des gros dunks pour éclater l'arceau, mais je n'arrive pas à faire des dunks aussi spectaculaires et en tout cas, euh, sur, bah voilà, spectaculaires. Aussi spectaculaires. Et je comprenais pas pourquoi. Et c'est de là, après, que j'ai bossé un petit peu et j'ai réussi à faire des dunks un petit peu plus spectaculaires et ce qui a rendu le dunk. Beaucoup plus intéressant. Je te laisse deviner. Donc voilà ma petite histoire, le pourquoi du comment, au moins tu sais tout et tu es au plus proche et ça c'est kiffant. On va pas plus perdre de temps que ça quoi. Là on va partir directement dans le sujet. C'est parti. Donc prenons en exemple le rider. Si on prend le rider et qu'on le décortique finalement. Tu sautes à deux jambes ou une jambe selon comment tu te sens à l'aise. Tu viens passer le ballon finalement sous tes jambes lorsque tu es en face montante, ok Ce qui est mieux en tout cas. Et puis tu viens ramener ton ballon en fait finalement et le raccrocher dans l'arceau. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Là en haut, mais tout ce qui est en bas, le gros rocher, enfin le gros truc en sous-l'eau, ben c'est ça qu'il faut bosser pour qu'après on voit et la pointe de l'iceberg, ta réussite. Et la réussite se passe dans une combinaison de timing, de force, d'équilibre, j'ai plus de doigts, d'équilibre et surtout de pratique intense. Voilà, c'est tout mais bien sûr, voilà, mais ça faut que tu le saches énormément. C'est vraiment avec ce, tous ces petits trucs-là. Donc je vais te montrer le, quel exercice et quoi faire. Mais en tout cas, il faut que tu le saches. C'est vraiment une question de ça. Et c'est primordial pour vraiment la réussite. En tout cas là, pour un rider. Et en ce qui concerne le 360, ce n'est pas une question forcément que de rotation. Il s'agit aussi de maîtriser l'angle de votre saut lorsque vous allez mettre vos pieds à l'approche du panier. Comment positionner bien tes pieds Comment tes genoux doivent être orientés lorsque tu... Saute. La position également de tes mains pour pas que tu échappes le ballon lorsque tu vas tourner dans les airs. Finalement, même le 360 c'est un ballet aérien qui demande une précision chirurgicale. Et pour tous les autres dunks, tous les autres dunks spectaculaires, ça ne fait que augmenter les critères qui sont compliqués à faire. Donc finalement, il est question d'agilité, de points techniques et plein d'autres choses comme ça dans tes dunks spectaculaires. Mais qu'il y a une chose qu'il faut savoir c'est que vous allez être confronté sans cesse à l'échec. Et souvent, c'est ça qui vous fait abandonner et vous laisse faire des dunks juste basiques. Normal. Et on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour voir les dunks spectaculaires. Rappelez-vous, quand vous avez appris à faire le double pas, vous n'avez pas appris directement un, deux pas. Pour les plus petits, il y avait des méthodes, je trouve tac tac, plein de mots, mémoire qui vous permettait de bien réaliser votre double pas. Vous avez décortiqué le double pas. Vous êtes passé par le faire sans aller marquer un panier, juste lancer le ballon, faire un pas. Ensuite, un pas, le deuxième. Ensuite, le montée de genou en même temps pour l'équilibre. Et ensuite, quand tu pensais avoir tout réussi, le coach t'a dit Bah, quand tu fais ton double pas, fais attention de ne pas balancer ton ballon pour pas le présenter au défenseur. Donc, finalement, est-ce que tu vois là où je veux en venir Forcément, ça te paraît un petit peu. Tu te dis Ah, ouais, mais c'est vrai. Bah, ben, ouais, mais c'est vrai. Il faut décortiquer tout. Tu as appris les choses en décortiquant. Il y en a qui ont besoin de brûler des étapes et il y en a d'autres non. Si tu veux réussir tout simplement à faire des dunks spectaculaire, dis-toi que c'est possible, mais il faut juste décortiquer. Parce que si tu ne décortiques pas, tu vas tout simplement essayer un dunk sur un grand panier, par exemple, tu vas le tester directement sans avoir tout décortiqué, pour me répéter, et tu vas être en zone d'échec. Et un échec plus un échec, tu passes à autre chose. Tu passes directement à autre chose, enfin en général. Donc moi, je suis là pour t'apporter tout ce que tu vas devoir faire petit à petit par petit à petit pour une réussite certaines. Et c'est ça qui intéresse, qui est vraiment intéressant et qui est cool. Comment faire En étape 1, le mouvement dans le vide. Imaginons, on prend pour exemple, tu dois travailler le moulin. Tu sautes, tu dois travailler quoi La gestion de tes bras. Ok Pour ton moulin. Quand tu le travailles, si déjà, tu as un manque de mobilité de tes bras, ton moulin ne va pas être bien grand, bien fluide, va pas aller chercher loin, il va être tout petit, comme j'ai pu connaître aussi également. Pour le travailler dans le vide, c'est simple, tu travailles en répétition. Si ton mouvement, c'est ça, et eh bah ben, tu travailles dans le vide, tu prends le ballon et tu fais des mouvements, des arrondis, tout simplement. Voilà. Ensuite, si tu décortiques encore plus, par exemple, le rider, bah, tu sautes sur place et tu de faire passer le ballon entre les jambes. Derrière, l'étape 2 du rider pourrait être tout simplement de passer le ballon entre les jambes et essayer de monter après le ballon au-dessus de ta tête. Ça, c'est un exemple. Sur le 360, tu peux essayer de caler ton 360, déjà te repérer dans la position de tes pieds, le faire dans le vide sur un saut à deux pieds ou un saut à un pied, suivant comment tu es à l'aise. Mais derrière ça, il faut que tu le travailles dans le vide sans aller forcément chercher pour l'instant le panier. C'est qu'après qu'on verra que petit à petit, on ira chercher le panier et pas n'importe comment. Donc rappelez-vous qu'il faut travailler sans cesse ce mouvement dans le vide à répétition et décortique-le. Je sais pas, par exemple, si as un dingue, pour imager, il n'existe pas, mais si as un dingue, où il faut faire passer le ballon de là et tu le fais passer comme ça de l'autre main, truc complètement euh, fou, qui n'existe pas, et bah tu travailles déjà ça avant de le ramener euh, dans le dunk, quoi. Tu vois, tu décortiques. Donc si c'est que là, bah tu travailles que là, parce qu'après tu sais que ça bug, que là, tu essaies de gérer cette situation. Le ballon de là à là, tu le gères de là. Enfin bref, là je pars un peu en live. Je pars en live. Non, mais t'as compris, quoi. Décortique-moi ça dans le vide. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Introduisez votre, ce que vous avez travaillé avant, sur un panier. Mais sur un panier... Pourquoi? Parce que là tu vas travailler ton mouvement, ta technique, ta technique de saut, ta technique de mouvement, ta fluidité et tout ça. Tu vas le réunir pour le réussir sur un petit panier. Et finalement, ça va éviter d'être trop en échec et de travailler et ne pas t'arrêter. Et si tu réussis bien à le faire sur un petit panier, alors je te laisse imaginer après. Donc là, il te suffit de aller chercher un panier, de le travailler et de voir si ça rentre. Si tu vois que ton mouvement il part n'importe où ou autre, c'est pas grave. Retravaille-le en amont sur l'étape. En répétition, voilà, et ensuite tu reviens sur ton petit panier en travaillant. Mais ne brûle pas les étapes parce que tu risques de, sinon d'être sur une zone d'échec. Et l'échec, euh, c'est compliqué parce qu'après tu reviens pas. Donc voilà, donc ça c'était l'étape 2. Ensuite, en étape 3, augmenter progressivement la hauteur de votre panier. Bon, t'as pas un panier comme il faut où il se monte petit à petit. Bah, tu vas tout simplement voir sur un terrain, c'est un petit panier, un moyen panier et un grand panier. Et là, si t'as réussi sur le petit panier, ah, tu vois c'est logique, tu vas sur un moyen panier et ensuite tu vas sur un grand panier et là, petit à petit, au moins tu seras pas directement confronté à une grosse échec petit panier, c'est bon, moyen panier tu y vas, et grand panier, là ça va louper un peu, un peu, mais tu vas déjà être moins ridicule que la première fois quand tu as essayé, et petit à petit tu vas voir punaise, ton ballon il claque, il claque, et là il rentre et là, c'est intéressant après tu peux voir si tu manques encore de fluidité sur des mouvements que tu trouves, donc tu peux prendre ton ballon, un ballon plus lourd et travailler le mouvement avec un ballon plus lourd pour que quand tu vas le faire bah ton ballon il sera léger et ça sera d'autant plus facile toi, donc à chaque fois que vous réussissez dans l'étape 3 un niveau, vous êtes prêt pour le niveau suivant. Maintenant, on va passer à l'étape 4, le grand panier. Déjà là, vous avez construit des bases solides pour le dunk spectaculaire. Donc, plus souvent là, vous êtes quand même des gens qui dunkent déjà, ou alors peut-être que tu es fanatique de dunk spectaculaire et même sur des petits paniers, tu vas en réaliser. Mais déjà là, dis-toi que tu peux réaliser des gros dunks maintenant sur des grands paniers si tu as bien travaillé tout ça en amont. Mais il faut savoir qu'avec toutes tes bases, solide, tu peux rencontrer quand même des difficultés sur grand panier. Les difficultés que tu peux avoir, c'est que ton, ton ballon quand tu le claques, il ressort tout le temps, il ressort souvent. Et ça, ça peut être une problématique. Alors oui, si tu as pallié sur ta mobilité articulaire, même sur grand panier, il faut que tu la bosses, aller chercher loin sur tes articulations des bras avec un étirement. Tu peux aller étirer aussi, ça soit tes pectoraux ici, tes triceps ici. Tu peux aussi aller chercher euh, des d'autres étirements au niveau des poignets aussi, parce que la, la maladie du dunker, c'est quoi C'est que là je peux te dire que ça fait mal donc tu peux étirer aussi tes avant-bras Parce que quand on aura claqué 4-5 On se comprend, on sait que ça déchire le bras D'ailleurs n'hésite pas à mettre un like et d'appuyer sur le bouton t'abonner si t'es pas encore abonné Et la cloche de notification pour te rappeler au cas où si tu... Voilà tu m'as oublié, on ne sait pas. Donc voilà, tu peux être confronté à ça sur un grand panier. Et du coup, tu sais, bah, tout simplement, bah, pas euh, hésiter à revenir sur tes mobilités étirement et puis retravailler dans le vide et te revenir sur un grand panier. N'hésite pas de décortiquer à chaque fois, comprendre ton mouvement. Comprends-le et tu auras compris comment faire des dunks spectaculaires. Maintenant, c'est pas tout. Forcément, oui, tu peux, même si tu es à là au niveau de l'arceau, tu peux quand même faire des dunks spectaculaires si tu as des bons mouvements. Mais parfois, pour certains, ça ne suffit pas. Pour pourquoi? Je te donne tout. Parce que finalement, quand tu es là, peut-être que toi, ta morphologie fait que la personne a beaucoup plus d'aptitude à avoir un, beaucoup plus de mobilité, à être beaucoup ample, à être beaucoup plus ample, beaucoup plus agile que toi. Toi, tu vas le travailler parce que tu vois qu'avec là, ça ne suffit pas. Tu vas le travailler, mais pas que. Tu vas mettre aussi les chances de ton côté. Tu vas travailler ta détente, ok Et en travaillant ta détente, forcément, tu vas chercher encore plus haut. Donc, c'est ne que bénéfique pour toi parce que tu vas en plus prendre de la détente et en plus aller chercher tout simplement tes mouvements que tu travailles en même temps grâce à cette vidéo là. N'hésite pas, le secret vraiment c'est de tout décortiquer. Tu as bien vu qu'aux États-Unis, quand tu regardes des vidéos, il y en a qui dunk sur des petits paniers et pourtant ils savent très bien faire le mouvement sur un grand panier. Pose-toi les bonnes questions et dis-toi que ce n'est pas anodin. Maintenant tu as de la chance parce que aujourd'hui c'est bientôt la fin de la période de promotion pour mes programmes dunk. Donc dis-toi juste que si tu veux pas louper ça et que tu veux pas que ça soit à prix fort, alors n'hésite pas à voir dans la description. Je vais te mettre un lien ou même par ici euh, s'il y est de aller voir sur mon site euh, commentdunker.fr et tu verras que les quelques centimètres qui te manquent ou autres, t'inquiète pas, tu vas les prendre rapidement et facilement parce que beaucoup de personnes qui ont suivi mon programme dunk Alors que parfois je peux te garantir que c'était mal parti. Mais avec les bons exercices et là les bonnes solutions que je viens de t'apporter dans la vidéo, il n'y a pas de secret pour toi, tu peux y aller. Mais n'oublie pas que la période, mais n'oublie pas que l'offre est limitée. Donc n'attends pas trop. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu auras aimé l'étape 1, travailler l'étape 2, travailler l'étape 3 et travailler à l'étape 4 sur grand panier et tu réussiras. Il n'y a pas de souci parce qu'il y en a plein d'autres qui réussissent et qui sautent bien moins haut que toi. Alors pourquoi pas toi On se rejoint pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-là. Tu sais très bien qu'il y a aussi mon Discord. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, mais je suis un peu partout. On a aussi un canal membre sur Instagram. Enfin je te laisse le choix d'aller où tu veux me rejoindre pour en apprendre un petit peu plus sur moi. Et en tout cas, ça m'a fait kiffer de vous retrouver là, en face caméra, avec un peu de dynamique et un peu peps, parce que ça, on aime. Ciao to play to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun?